Alors, mon parcours en France, déjà avant de venir en Israël, je gérais à peu près 12 magasins de prêt-à-porter chaussures, deux unités de fabrication pendant plusieurs années. Donc, on a monté une entreprise de pâtisserie française qui s'appelait Courcelles Pâtisserie, dans lequel tout a été très difficile, mais tout a été vraiment un chemin tracé. Et c'est là où les choses sont un peu plus difficiles, parce que c'est vrai qu'on descend un peu dans sa émouna quand on a une telle ascension, un tel succès, on va dire, et du jour au lendemain, on n'a plus rien. C'est que pendant 18 mois, on nous a proposé que des choses pas cachères à faire. Donc c'était un petit peu gênant. C'est là où on ne doit pas craquer. Et on n'a pas craqué, et Baruch HaShem, à la fin, on a vu la lumière au bout du tunnel. Il y a plusieurs façons de voir les choses dans la vie. Okay, moi, je vois les choses d'une manière très très simple. C'est que pour moi, la Torah, c'est comme un arbre de vie, une façon de vivre, une direction. Quand on dit direction, c'est simple, on pense tout de suite à une autoroute. Donc il y a ou l'autoroute, ou les chemins de campagne. Il est très important d'avoir une bonne réputation dans le business. Il est très important de travailler avec beaucoup d'honnêteté, car aujourd'hui, ça fait boomerang. Aujourd'hui, les gens viennent, vous contactent et vous disent « c'est vous que je veux ». Alors, si j'avais un conseil à donner, avec 30 ans de recul, je pense que ça ne sert à rien de beaucoup essayer de vouloir absolument. Il faut essayer, il faut faire le maximum et il faut laisser les choses divines nous aider. Alors c'est vrai qu'il y a la voie de gauche, c'est pas pour moi, je suis pas assez religieux du tout, je suis plus au milieu, il n'y a pas de souci, mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de prendre le chemin de campagne. On peut y arriver aussi par le chemin de campagne. Pour moi, non, je préfère l'autoroute. Et pour moi, l'autoroute, c'est la Torah. Bon, il est vrai qu'au niveau business, on peut gagner beaucoup d'argent très très vite, mais pas très 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 honnêtement. Et c'est pour ça que je préfère faire peut-être plus doucement, mais sûrement.